Loïc Caillé, donc j'ai 33 ans, j'habite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Caroline Angibault et ça fait 5 ans que je fais du surf tandem avec Loïc. On pratique sur Bretignolles-sur-Mer. On a gagné il y a 3 ans le circuit Coupe de France. On a terminé il y a 2 ans 7e championnat du monde. L'année dernière, cette année, on est retourné à Hawaï au mois d'août, il n'y avait pas eu beaucoup de vagues, on s'est classé 10e. Et là, à Bretignolles, on fait la finale. Je ne sais pas combien on termine dans le classement mondial, mais je pense dans les 8 premiers. Loïc et moi, on surfait chacun de notre côté en petite planche et en longboard. Et c'est vrai qu'on avait envie d'essayer le tandem. Et un jour, il m'a dit, si ça te dit, j'ai une planche, on peut y aller. Et dès la première vague, en fait, on s'est éclaté. Donc on s'est dit, pourquoi pas continuer, quoi. On a fait des basiques, ce qu'on appelle, en gros, la mariée, donc dans les bras. Donc l'avion, le swan, et le reverse stand. On a mis notre touche personnelle, c'est-à-dire qu'il y a des manœuvres, normalement, se font avec les mains sur les deux jambes. Nous, on a fait qu'une pour pouvoir se permettre de surfer. On est vraiment très... On essaie de créer un peu nos manœuvres aussi, pour pouvoir surfer en même temps. On essaye de les travailler au bord de l'eau, on a de l'eau à peu près au genou, comme ça si jamais je tombe, je tombe quand même dans l'eau. On peut aussi le travailler au sol, mais là par contre faut pas se rater quoi, parce que tomber sur du sable c'est pas très agréable. Et généralement on essaye de le travailler juste au sol pour savoir où on met les mains, comment on doit faire, mais après on essaye vraiment de le faire dans les vagues parce que c'est vraiment différent quoi. En étant pas très fort en portée, on arrive à faire partie des meilleurs mondiaux en surf, en surf tandem, donc c'est là, c'est bien. Il y a 3 critères de notation. Donc il y a les portées, donc c'est noté de 1 à 45. Avec les basiques au départ. Et après, il y a des notes de séquence. Sur les notes de séquence, en fait, c'est le nombre de portées qu'on fait par vague. Et en même temps, la globalité sur la vague. Voir si les portées ont été bien posées, si les portées ont été faites dans le verre de la vague, c'est-à-dire en surfant ou en faisant des tout droits dans la mousse. Très important aussi. Et dernière partie, qui est pour nous la plus importante, c'est là où on est les meilleurs, c'est le surf. Où là, il faut faire des manœuvres comme en longboard ou en shortboard. C'est pas difficile, c'est juste que c'est surprenant parce qu'en plus Loïc est très grand, donc quand il me porte sur ses épaules je suis hyper haute. Et c'était surtout le fait que ça changeait beaucoup par rapport aux sensations que j'avais quand je surfais toute seule où je commandais la planche. Alors que quand on est tandem, c'est en plus le gars qui dirige quoi. La fille elle sert à. Elle surfe aussi, mais c'est quand même le gars qui choisit les vagues, qui surfe et qui décide ce qu'on fait. Donc du coup pour moi c'était un gros changement, mais c'est vraiment chouette. La moitié des couples, en fait, ils ont choisi d'avoir une option où c'est le gars qui surfe et la fille, en fait, c'est surtout une gymnaste ou une fille sortie de l'école du cirque. Donc c'est le garçon qui choisit la vague et la fille, elle se laisse faire. Et après, nous, c'est différent, c'est que Caro a un palmarès en longboard et en shortboard. Moi aussi en longboard, j'ai fait le tour européen comme Caro. Et en fait, on arrive à lire bien les vagues. On dit on va à droite, on va à gauche, on voit comment se déroule la vague. Et on arrive en fait à se mettre d'accord et à faire ce qu'on veut faire. En fait, en général, on essaye de choisir à peu près tous les deux, mais c'est quand même Loïc qui a le dernier mot, parce qu'en choix de vagues et tout ça, il est meilleur. Moi, je m'occupe du chrono, je gère les vagues et tout ça, mais en général, c'est lui qui choisit, mais on est tout le temps d'accord, donc il n'y a pas de souci. En fonction de la vague, si elle ouvre bien, si elle est creuse, si elle n'est pas creuse, si on peut surfer dessus, si on peut juste faire des portées. Et après, on est, nous, limités sur les 45 portées à une quinzaine. Donc, on essaie de faire des portées qui s'enchaînent, en fait.
ne pas perdre de temps, quoi. Pas avoir à poser un porté pour en faire un autre. Ce qui est difficile, c'est de penser à enchaîner tout de suite les figures, quoi. Pas attendre. Parce que dès qu'on attend entre deux figures, on a des déséquilibres. Et comme on est deux, bah, ça s'amplifie. Donc faut vraiment essayer d'être calé et de. On fait une figure, on passe à une autre, on passe à une autre. Faut pas bailler entre les figures, quoi. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de. Ouais, de bien surfer la vague en même temps, ça nous aide, quoi. Parce que comme ça, on a la vitesse de la vague. Le plus difficile, on a les deux bouts sur les épaules sans les mains. On arrive à en passer comme maintenant, on le passe assez souvent, qui vaut pas mal de points. Et après, on est en train de tenter l'enroulé, c'est-à-dire grand écart, mais bon, c'est beaucoup plus dur. Déjà parce que je suis pas assez souple, je fais pas le grand écart la tête en bas. Et après, Loïc, on n'a pas une grosse différence de poids, donc je suis un peu lourde par rapport au gabarit de Loïc. Donc je pense que les porter à un bras au-dessus de la tête, je pense que là, faut pas trop rêver, c'est pas pour nous, quoi. Pas forcément beaucoup de muscles, c'est beaucoup de technique. C'est et avoir une partenaire pareil, assez tonique, pas forcément souple mais très tonique pour pouvoir répondre, vraiment monter rapidement sur les épaules ou faire des portées et gainer, quoi. Il y a beaucoup de filles qui veulent en faire, beaucoup beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui. Parce que c'est quand même contraignant, les planches sont très très grandes. C'est très dur dès qu'il y a un peu de vague. Quand je 3,60 m, ça recule très très vite. Après il faut être motivé, il faut avoir une partenaire qui soit assez souple, assez motivée pour aller dans l'auto en toutes les conditions. Donc c'est vrai que ça se développe, mais ça manque encore de garçons qui veulent s'y mettre. Il faut avoir confiance en le partenaire déjà, numéro un, sinon c'est pas possible. Faut pas avoir peur, faut se lancer. Après d'être souple ça aide, mais je ne le suis pas du tout, donc c'est possible. Et après de savoir surfer aussi c'est pratique, ça aide le gars derrière, comme ça c'est pas lui qui fait tout à ramer et tout ça, quoi. C'est quand même plus confortable. Là, ce qui est bien c'est qu'à la fin d'une vague, quand elle est super bien, on est deux à partager, quoi. On est deux à avoir vécu la même vague, donc non, c'est chouette.